We're here today for the dogs. The idea was to get the dogs socialising with people they'd never met before, and what an opportunity we've had. Normally it's just us, the volunteers, the SPA Bearshrack volunteers, who go in and play with the dogs and clean their kennels, train them, socialise them. But what they really need is to get out and meet other people. And today, I mean, what an opportunity. The Chelsea players have been fantastic. The Bearshrack players have been absolutely wonderful. They've made friends with the dogs, they socialise. The children have been here and made friends with the dogs. Just imagine what that's done for these dogs who normally live in just a little cage and, you know, barely get out during the day. This has been a fabulous opportunity for them to socialise and show their real character. And as you can see now, the stadium is emptying. People are going back to their homes. I'm going home. These dogs aren't going home. They have no homes. These dogs need homes. They need families. Si vous voulez un chien, venez à la SPA. Il y a à peu près, je vous dis à peu près actuellement 80 chiens. Il y en a des grands, des petits, des jeunes, des plus vieux. Donc vous avez un choix. Vous faites une bonne action. Ça, c'est la première chose. De même pour les chats. Voilà. On essaie de les garder le plus possible, le plus longtemps possible pour pouvoir les repasser. Ça, c'est le premier message. Et puis il y a un message plus ponctuel, c'est que la SPA de Bergerac va déménager. Parce que nous sommes actuellement dans des locaux trop petits, on ne peut pas s'agrandir. Et en même temps, on va rester à Bergerac. Notre seul souci, c'est que c'est quelque chose qui coûte cher et qu'on va chercher, on cherche des sponsors, des aides, le plus possible. Voilà. On a déjà un petit financement, mais ce n'est pas suffisant. La SPA concerne, dans le cadre de la Fourrière, on a quand même 350 communes en convention, 330 à 350 communes. C'est quand même très, très important.